toute sa vie, mon père a gardé le silence sur sa guerre, sur la Somme. Sur une photo prise à l'étape, nous voyons mon père et deux de ses camarades du front assis sur un banc devant une maison de Gérouville. Deux jeunes filles pressent leur visage derrière la vitre et elles se tournent vers les soldats avec un petit rire étouffé. Mon père est assis là, comme gelé sur place. Qu'a-t-il vu, mon père? Qu'a-t-il entendu? Entendait-il le bourdonnement des abeilles ou le sifflement des shrapnels? Voyait-il voler les alouettes ou les bombes à ailettes? Lorsque nous l'interrogions, il restait toujours planté là, respirant profondément, les yeux grands ouverts, sans dire un seul mot. Qu'ont vu ces villages et ces maisons tristes de la Somme? Rien. Les villages écrasés ont été rebâtis. Seuls, quelques restes enterrés témoignent encore des jours allemands. Qui se souvient de la guerre à Daignécourt, à Ablincourt, à Vermandovillers? Qui était là? Qui a vu passer le père au pas de l'oie avec son régiment? Qui vit encore? Les gamins, les jeunes filles, les enfants de cœur? Dans ses mémoires d'enfants intacts, août 14, c'était hier.